Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une série d'exercices portés sur le dosage acido-basique. Alors on va faire l'exercice 1. Alors en titre, un volume VA, 10 ml d'acide carboxylique. D'accord? Alors l'acide carboxylique de formule RCOH, de concentration molaire CA. Alors puisque l'acide carboxylique c'est la solution attitrée, alors sa concentration molaire est inconnu. Alors c'est A, il est quand on le d'abord, faites l'exercice. Ça marche. Il y en a qu'on est. Par une solution aqueuse, je vais rendre le titrage, je vais rendre le dosage, voir la solution aqueuse basique, solution basique, c'est hydroxyde de sodium, note Na plus HO moins. Alors Na plus, ce sont des réactifs spectateurs. Il m'a dit, je te relève la réaction derrière. Thomas Elbel, je m'en dérange compte sur la réaction du dosage. Alors, de concentration molaire CB est égale à 10, est égale à 1, 10 moins 2 mol par litre. Alors, CB, la concentration de la solution T30, qu'on a faux. Alors, on note VB, le volume de solution hydroxyde de sodium versé. Le suivi pH métrique du titrage permet d'obtenir la courbe donnée ci-contre. Voilà, c'est ça la courbe de titrage. Alors, pH métrique, bien sûr, on suit la valeur de pH en fonction de VB. VB, c'est le volume versé, d'accord, de la solution d'hydroxyde de sodium. Attends, de la courbe, elle dit. Je vois comment on va exploiter cette courbe pour déterminer pas mal de choses, d'accord? Allez-y. Pour les questions, faire un schéma légendé du dispositif expérimental utilisé pour effectuer ce titrage. Titrage ou dosage. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction du titrage. Troisième question, dresser le tableau d'avancement fourni en utilisant les grandeurs CA, CB, VA, VB. Et la quatrième question, définir l'équivalence. Qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence? La cinquième question, déterminer graphiquement le volume VBE, c'est-à-dire le volume de la base à l'équivalence de la solution d'hydroxyde sodium versé à l'équivalent. Sixième question et la dernière question. Écrire la relation existante entre CAVA, VBE et à l'équivalence, en déduire la valeur de la concentration molaire CA de l'acide carboxylique titré. C'est ça l'objectif du titrage, c'est la détermination d'une concentration inconnue. Allez-y pour le schéma du titrage. Il est constitué d'une burette, d'accord, c'est celle-là, une burette, et le support. Alors dans la burette, qu'est-ce qu'on met? On met la solution T30. Alors la solution T30, c'est l'hydroxyde de sodium, c'est Na plus HO moins. D'accord? Et après, on a le support, bien sûr, c'est celui qui porte la burette. La deuxième, l'autre chose, c'est la solution titrée, c'est l'acide carboxylique, RCOOH. Et n'oubliez pas qu'on a un pH mètre pour faire le suivi pH métrique. Et dernièrement, l'agitateur magnétique. L'agitateur magnétique, Muharrik Mirna, ici. Ça marche? Celui-là, c'est un robinet. Et tout ça y est, Chilikin fait le schéma, le dispositif expérimental du dosage. Voilà. En passant à la deuxième question, écrire l'équation de la réaction du titrage. Alors, la réaction du titrage, awwel haja, khassna nعرفو فيها شي حوايج. Sinon, ma chorote qui t'offre la réaction du titrage. Awwel haja, c'est une réaction rapide. Tani haja, c'est une réaction totale. Telt haja, c'est une réaction spontanée. D'accord? Alors, sinon, ma li couple li khdem bihom adi, l'acide carboxylique, le RC. OOH, sa base conjuguée à ce qu'on y a RCOO moins. Mais on va réagir avec l'acide. Réagir avec HO moins. Il y a ce qu'on a, HO moins, c'est une base. L'acide conjugué de la base HO moins ou H2O. Alors, dans la réaction de RCOOH, d'accord? Je vais se noter RCOH, pardon.
RCOH, il a dit ça, oui. RCOH plus H au moins, il va donner. Alors, de l'Ubéna, on va utiliser une seule flèche, donc la réaction est totale. RCO au moins plus H2O. Alors, H2O liquide, les ions RCO au moins A que et A que. Et voilà la réaction du titrage, vient de 2A, c'est la même chose. La troisième question, dresser le tableau d'avancement fourni. Alors, un angle pour l'équation d'INA, RCOH plus H au moins, Katrina, RCOO moins plus H2O. Alors, on a juste la réaction d'INA. Alors, on a X, l'avancement, on a l'avancement, on a l'état, on a l'équation de la réaction. L'équation de la réaction. Ça marche. Alors on a 0, x, x équilibre. L'état initial, final, intermédiaire et l'état et l'équilibre. Alors on commence par la quantité de matière de l'acide. C'est CaVa. Humara-Brau, en fonction de ces paramètres-là. Pour la base, c'est CB. VB. Pour les produits, à l'état initial, 0. Alors l'eau, c'est en excès déjà. En excès, puisqu'on travaille dans des solutions aqueuses. Alors, à l'état intermédiaire, c'est CaVa moins X. CB, VB moins X. X en excès. L'état à l'équilibre. X équilibre. CB, VB moins X équilibre. X équilibre en excès. Ça marche, c'est ça le tableau d'avancement de cette réaction-là. Voilà, la question 4, définir l'équivalence. Alors, à l'équivalence, qui qu'on a dit? À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés. Mélanger dans les proportions stoichiométriques de réaction. Qu'est-ce qu'on a brûlé à sous forme d'une relation? La quantité de matière de l'acide. D'accord, est égal à la quantité de matière de la base, enfin de l'OKHD, à l'équivalence. Ça marche? Allez-y. Pour la question suivante, on détermine graphiquement le volume VBE. Alors VBE, on a ici la courbe, elle dit c'est la dérivée d de pH sur dVB. Il a maintenant de la dérivée, elle dit. De la dérivée, elle dit, le pic d'IA là, qui atteint la valeur de VBE. Il est final intersection là. Entre 22 et 23, 24, c'est 23 millilitres. Alors d'après le graphe, qu'est-ce qu'on peut dire que VB est égal, pardon, VB, VBE est égal 23 millilitres. C'est clair? Allez-y. Pour la sixième question et la dernière question, écrire la relation existante. La relation de conjugaison, la quantité de matière de l'acide, pardon, de l'acide est égale à la quantité de matière de la base à l'équivalence. La quantité de matière de l'acide, c'est CaVa. La quantité de matière de la base, c'est CB. L'équivalence, c'est VBE. Ça marche? E qu'on a une belle équivalence. C'est BVBE. Je note le bon néoma. Quel est le moment que je vois de la relation? C'est cette relation-là. Je n'aime la relation de. C'est la relation de l'équivalence. De l'équivalence. La relation aussi de l'équivalence. Maintenant, il y a la concentration molaire de l'acide carboxylique.
CA هي هذه، يعني جوست غادي ندي في ا لوتر كوتي، تبقى لي CA تيغال ا سي بي في بي E sur VA. Alors CA, on doit faire l'application numérique. CB, attends, on a dit c'est la puissance moins 2. VBE, on a déjà déterminé VBE, c'est 23 millilitres, fois 10 à la puissance moins 3. Et VA, il y a la solution utilisée dans le volume utilisé de l'acide carboxylique, c'est 10 millilitres. C'est 10 à la puissance moins 3. Alors on va trouver que la concentration de l'acide carboxylique, c'est 2,3 10 à la puissance moins 3 mol par litre. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît. Et voilà, c'est ça la concentration de l'acide carboxylique. Alors, on va faire l'exercice 2. Alors, l'acide propanoïque est utilisé comme conservateur des aliments. Son code est E280. On le trouve dans les fromages, les boissons et les conserves. Il entre également. Il entre également dans la préparation de certains parfums, produits cosmétiques et pharmaceutiques. D'accord? Alors, dans cet exercice, on se propose d'étudier la réaction mise en jeu lors du titrage acido-basique de l'acide propanoïque par l'hydroxyde de sodium. D'accord? Alors, l'acide propanoïque, c'est sous formule chimique C2H5COOH. Et l'hydroxyde de sodium, c'est NOH. NaOH. Alors, NaOH, c'est une base forte et l'acide propanoïque, c'est un acide faible. Alors, les données, on a le produit ionique de l'eau, KE. On a le couple propanoïque de l'acide propanoïque. Alors, on va noter l'acide par AH et la base conjuguée par A-. C'est-à-dire, on va travailler dans tout l'exercice avec AH A-. D'accord? La constante d'acidité Ka de ce couple-là, c'est 10-89. Et aussi la masse molaire de l'acide propanoïque, c'est 74 grammes par mol. Et on a ici quelques ondes de verrage de quelques indicateurs colorés, héliantène, BBT, bleu de thymol, et ici des ondes de verrage. Voilà. Maintenant, on dose le volume VA d'une acide aqueuse SA, de l'acide propanoïque noté AH, de concentration CA. Alors l'objectif de cet exercice, c'est la détermination de la concentration de l'acide, d'accord? Par une solution aqueuse SB, hydroxyde de sodium, d'accord? De concentration molaire CB, est égal à 5 10 moins 2 mol par litre. C'est clair? On suit les variations de pH du mélange réactionnel en fonction de VB versé de la solution. La courbe de la figure ci-dessous qu'on va voir maintenant, elle représente la variation de pH, d'accord, en fonction de VB, le volume versé à travers la burette, d'accord, c'est le volume de la base. Alors on a ici 5 questions. La première, c'est de déterminer les coordonnées VBE et PHE du point d'équivalence. Deuxième question, en calculant la constante d'équilibre K associé à la réaction du dosage, montrer que cette réaction est totale. On note qu'une réaction chimique est considérée comme totale, c'est sa constante d'équilibre supérieure à 10 à la puissance 4. C'est-à-dire, dans cette question, on va essayer de calculer K, après on va comparer cette constante avec 10 à la puissance 4. Si elle est supérieure à 10 à la puissance 4, la réaction elle est totale. Bien sûr, il faut obligatoirement trouver K supérieur à 10 à la puissance 4, puisque c'est une réaction du dosage. Alors la réaction de dosage, déjà c'est une réaction totale, forcément totale. Alors la troisième question, donner la réaction d'équivalence et déduire la concentration CA à travers la relation d'équivalence. La quatrième question, choisir en justifiant votre réponse l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence lors de ce titrage. Et la dernière question, précision, justifiant votre réponse, l'espèce chimique AH et OA- prédominante dans le mélange réactionnel après l'ajout d'un volume VB est égal à 7 millilitres. C'est clair? Allez-y. On va commencer la correction. La première question, c'est juste la détermination de VBE et PHE. Alors, on a déjà tracé, on a déjà les deux tangentes déjà tracées. Alors, on va ajouter le segment. Alors, on va essayer de telle sorte que on a la même distance entre les deux sigmas là.
et de même temps perpendiculaire sur les deux tangentes. On en trouve ce point-là, l'intersection de sigma-là avec la courbe. On trouve presque au milieu de là. Et pour le volume à l'équivalence, on trouve cette valeur-là. Alors on a ici 3, 4, 5, 6. Alors 6. Et pour la valeur de PHE, alors entre 8 et 9, c'est 8,5. D'accord? Alors pour le point d'équivalence, on a PHE est égal à 8,5 et VBE est égal à 6 millilitres. D'accord? En passant maintenant à le calcul de la constante d'équilibre. Alors, tout d'abord, il faut écrire la réaction. On a la réaction de l'acide AH avec H au moins. On obtient 1 moins plus H2O. D'accord? Alors, la constante d'équilibre de cette réaction, il s'écrit sous cette forme, 1 moins sur AH, H au moins. Alors, comme A6, on va multiplier fois H3 plus en haut et en bas. H3 au plus, d'accord? Alors, pour ce produit-là, il représente le produit ionique de l'eau KE. Et pour le reste, il représente la constante d'acidité KA sur KE. D'accord? Alors, on va faire juste l'application numérique. On a déjà ça dans les données. Alors, KA, c'est 10 à la puissance moins 4,9. KE, c'est 10 à la puissance moins 14. On va faire l'application numérique. On trouve K, la constante d'équilibre, c'est à peu près 1,26. 10 à la puissance 9. C'est ça la constante d'équilibre de notre réaction. On peut remarquer que très supérieure devant 10 à la puissance 4. Donc la réaction est totale. Donc la réaction est totale. Ça marche. Et on passe maintenant à la question suivante. Donner la relation de d'équivalence. Alors, pour la relation à l'instant d'équivalence, ou bien dans le point d'équivalence, la quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de la base à l'équivalence. C'est-à-dire CAVA est égal à CBVBE. C'est ça, c'est la relation de l'équivalence. Après, on va trouver CA, la concentration de l'acide à travers cette relation-là, cette égalité. C'est CBVBE sur VA. Alors CA est égal. CB, la valeur de CB, on a déjà CB, c'est 9, 5, 10 à la puissance moins 2. On a trouvé CB, c'est 6 millilitres, et 6 fois 10 à la puissance moins 3. Et VA, on a utilisé 5 millilitres de l'acide, alors c'est 5, 10 à la puissance moins 3. On trouve CA est égal. 6 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et voilà la concentration de l'acide qu'on a utilisé dans le dosage. Alors, la question 4, choisir en justifiant votre réponse l'indicateur coloré. D'accord? Alors, on a PHE. On a déjà la valeur de PHE est égale 8,5. D'accord? Alors, l'indicateur adéquat, c'est celui dans lequel on a le PHE appartient à leur intervalle ou bien à leur zone de verrage. Alors, pour le premier indicateur coloré, sa zone de verrage entre 3 et 4,5. Alors, on peut remarquer que 8,5 n'appartient pas à cet intervalle-là. Alors, on ne peut pas travailler avec celui-là. De même, pour le BBT, sa zone de verrage entre 6 et 7,6, la même chose. Mais pour le dernier indicateur coloré, alors sa zone de verrage entre 8 et 9,6, alors on peut remarquer que 8,5 appartient en fait à cette zone de verrage. Alors on peut dire que l'indicateur coloré adéquat, c'est le bleu. Le bleu de thymol. C'est celui-là qu'on va utiliser pour repérer l'équivalence lors de titrage. Ça marche?
Après, on va passer à la dernière question de cet exercice. Précisez en justifiant votre réponse. Alors, quelle est l'espèce qui prédomine? Alors, puisqu'il y a quelque chose qui est en relation avec la prédominance, on va utiliser le diagramme de prédominance. On a déjà parlé sur ça dans une autre vidéo, sur comment on trace un diagramme de prédominance. Alors, le diagramme de prédominance, on met ici PKA. Alors, le PKA, on a déjà le KA dans les données, c'est-à-dire la puissance moins 4,9. Alors, on peut dire que KA, PKA de ce couple-là est égal à 4,9. Alors, pour les pH inférieurs à PKA, on a la prédominance, de là-bas, l'acide AH. Et au-dessus de PKA, on a la prédominance de l'espèce à moins. Ça marche? Alors, la question, c'est quoi? Quelle est l'espèce qui prédomine, mais a une valeur pour le VB est égal à 7 millilitres? C'est-à-dire, d'une autre manière, on cherche la valeur de pH pour VB est égal à 7 millilitres. Alors, on a ici 3, 4, 5, 6, 7. Voilà la valeur 7. Le VB est égal à 7 millilitres. On va chercher la valeur de pH correspond à cette valeur de volume. On trouve à peu près ici. Alors, si on fait la projection sur l'axe de pH, alors à peu près 11,8. Alors, on a ici 9,4,9. Automatiquement, 11,8, ce sera à peu près ici. Alors, toute cette zone-là, c'est la zone de prédominance de la base à moins. Et puisque la valeur de pH de la solution est égale à 11,8, alors automatiquement, c'est l'espèce qui prédomine, c'est à moins. Alors, l'espèce prédominante à cette valeur de volume, c'est A moins, c'est la base conjuguée de notre acide. Alors on va faire l'exercice 3. Voilà, un volume VB est égal à 10 millilitres d'une solution aqueuse SB d'ammoniac NH3 de concentration CB. Alors la solution titrée, c'est la solution d'ammoniac, d'accord? C'est NH3, concentration CB inconnue. Alors CB est l'objectif de cet exercice, c'est la détermination de la concentration d'ammoniac. On ajoute progressivement une solution aqueuse SA d'acide chlorhydrique H3 plus Cl moins de concentration Ca est égal à 0,1 mol par litre. Alors la solution titrante, d'accord? La solution titrante, c'est l'acide chlorhydrique. Alors, on donne la courbe représentant la variation de pH en fonction du volume ajouté VA, c'est-à-dire l'acide versé. Soit E, ce point A, ce point E, c'est le point d'équivalence. D'accord? Alors, la première question, en utilisant la courbe de la figure 2, c'est celle-là. Alors, A, alors, pour vous informer que c'est un extrait d'un examen de ça. D'accord? C'est pour cela qu'on trouve la figure 2 au lieu de la figure 1. Ça marche? Allez-y. Alors, en utilisant la courbe de la figure, le petit a, déterminer les coordonnées du volume VAE et PHE du point d'équivalence. Petit b, que peut-on dire pour la nature acide ou basique de la solution au point d'équivalence? Justifiez votre réponse. Petit c, déterminer en justifiant la valeur de pKa du couple NH4 plus NH3. Et deuxième question, déterminer l'équivalence acido-basique. Définir ce d'abord, après déterminer la concentration CB de la solution aqueuse de l'ammoniac. Et la dernière question, écrire l'équation bilan de la réaction du dosage et montrer qu'il s'agit d'une réaction pratiquement totale, puisque on sait que toutes les réactions du dosage, ce sont des réactions rapides, totale et spontanée. Allez-y. Pour la première question, petit a, on va déterminer juste les coordonnées du point d'équivalence E. D'après la courbe, on a déjà le point E. On va juste faire les projections. Alors, pour PHE, c'est 5,27 et pour le volume VAE, c'est 10 millilitres. Alors, pour E,
Le point E, pHE est égal 5,27 et le volume VAE est égal 10 millilitres. Voilà pour la question petit a. Pour la question petit b, que peut-on dire sur la nature de l'acide, de la nature de la solution, pardon, pour au point d'équivalence E? Alors pHE. Alors d'après la courbe, on trouve que c'est 5,27, c'est-à-dire inférieur à 7. Alors puisque est inférieur à 7, alors on a une solution qui est, d'après la valeur de pH, alors qui est acide. Une solution acide. Pourquoi? Parce que le pH dont la solution est inférieur à la valeur 7. Ça marche? Pour la question suivante, petit c, déterminer en justifiant la valeur de pKa du couple NH4 plus NH3. Alors, on a déjà la valeur entre le pH de la solution et pKa est la suivante. Alors, pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base NH3 sur NH4 plus. Alors, il faut savoir que à la demi-équivalence, c'est-à-dire pour VAE sur 2, on a la même quantité de matière, on a 50%, on a 50% de l'acide, bien de la base se transforme à l'acide conjugué. L'acide conjugué. C'est-à-dire la concentration de la base à la demi-équivalence est égale à la concentration de l'acide. NH4 plus, j'ai oublié un plus ici. D'accord? Alors, puisque on a NH4 plus est égal à NH3, alors on trouve ici 1. Alors, log de 1 est égal à 0. Alors, à la demi-équivalence, alors l'équivalence, le volume à l'équivalence, c'est 10. Le demi-équivalence, c'est 5. Alors, le demi-équivalence, le pH de demi-équivalence, c'est 9,25. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après ça? Que à la demi-équivalence, le pH est égal à pKa. D'accord? Alors, le pKa de la solution, d'après la courbe, est égal à 9,25. Voilà la valeur de pKa de la solution. D'accord? Alors, la suite, c'est 9 demi-équivalence. Demi-équivalence. Qu'est-ce qu'on a maintenant? La valeur de pH, l'intersection avec le point, d'accord, à l'axe du pH qui atteint la valeur du pK. Qu'est-ce qu'on pH? Vous savez? C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à la deuxième question. Définir l'équivalence acido-basique et déterminer la concentration. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans la burette, on a la solution de l'acide chlorhydrique. Et dans la burette, dans le bichère, on a la base NH3. D'accord? Alors, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Alors, à l'équivalence, d'accord? Je vais noter l'équivalence par ce symbole-là. Alors, les réactifs. Des réactifs. Ce que l'on m'a dit, les réactifs, on a la base NH3 et l'acide HCl. D'accord? L'acide chlorhydrique. D'accord? Ont été mélangés dans les proportions stoichiométriques. Stoichiométriques de réaction, d'accord? C'est-à-dire N de la solution titrée est égal à la quantité de matière de la solution titrante. Voilà, à l'équivalence. D'accord, c'est-à-dire
La solution titrée, c'est la base NH3. La quantité de matière de la solution titrée, c'est CB fois VB. Et par la solution titrante, c'est l'acide chlorhydrique, c'est CaVa, mais à condition à l'équivalence VA, VAE. Alors CB d'après cette égalité-là, c'est CaVaE, VAE est sur VB. On a Ca est égal à 0,1 fois VAE, on a trouvé 10 millilitres, et VB utilisé, c'est 10 millilitres. On trouve que la concentration de la base, 0,1 mol par litre. Et voilà la concentration de notre base. D'accord? Pour la question suivante, écrire l'équation bilan de la réaction du dosage. C'est-à-dire, il faut tout d'abord préciser les couples intervenant dans cette réaction-là. Alors, on a la base NH3. Automatiquement, leur acide conjugué, c'est NH4+. Alors, cette base-là, elle va réagir avec H2O. Avec, pardon, H3+. J'ai oublié, c'est H3+, c'est l'acide chlorhydrique. Alors, sa base conjuguée, c'est H2O. C'est-à-dire, on trouve NH3, la réaction de la base d'ammoniac, avec H3 au plus, on obtient l'acide conjugué NH4+ plus H2O. D'accord? Alors, l'autre partie de la question, c'est montrer qu'il s'agit d'une réaction pratiquement totale. Alors, il faut calculer sa constante d'équilibre. Alors, constante d'équilibre de cette réaction-là, c'est la concentration des produits, c'est-à-dire NH4+, l'OH2O c'est 1, sur la concentration de NH3 fois la concentration de H3 au plus. D'après ça, on peut remarquer que ce rapport-là est égal à l'inverse de la constante d'acidité, Ka. D'accord? Et on a déjà déterminé pKa, non, on a déjà pKa dans la question précédente. Combien? pKa dans. C'est 9,25. On a déjà calculé pKa de ce couple-là. C'est 9,25. Alors on a pKa, c'est 9,25. La relation entre Ka et pKa. Alors Ka est égal à 9 10 à la puissance moins pKa. Alors on va remplacer ici Ka par 10 à la puissance moins pKa. Après on fait l'inverse de ça. C'est 10 à la puissance plus pKa. On a déjà la valeur de pKa, c'est 10 à la puissance 9,25. On peut faire l'application numérique de ça. 10 à la puissance 9,25, on trouve, c'est à peu près 1,7. Alors on trouve la constante d'équilibre est égale à 1,7, 8, 10 à la puissance 9. Alors vous pouvez remarquer, d'après la valeur de la constante d'équilibre K, c'est à peu près 10 à la puissance 9 qui est très supérieure à la valeur 10 à la puissance 4. Alors si la constante d'équilibre est supérieure à la puissance 10 à la puissance 4, on dit que la réaction est totale. Alors on a montré maintenant que notre réaction est totale. D'accord? Puisque la constante d'équilibre de cette réaction elle est supérieure à 10 à la puissance 4. Alors, on va faire l'exercice 4 de cette série. Voilà l'exercice. On prépare une solution S de volume 500 ml d'une solution aqueuse d'acide benzoïque 6,6H5COOH en dissolvant dans la quantité convenable d'eau une masse petit m d'acide benzoïque pur. La première question, écrire l'équation de dissociation de l'acide benzoïque dans l'eau. Deuxième question, donner l'expression de la constante d'acidité Ka du couple 6,6H5COH, 6,6H5CO moins. D'accord? Troisième question. On suit les variations du pH de la solution lors de l'ajout dans un volume VA égal à 20 ml de la solution S d'une solution de soude concentrée. Alors, la soude, c'est NaOH. D'accord? D'accord? La concentration CB est égale à 5 millimoles par litre. La courbe ci-dessous représente les variations de pH en fonction du volume VB. Voilà, c'est ça la courbe
sur lesquels on parle. Et petit a, écrire l'équation de la réaction du dosage. Petit b, indiquer les coordonnées des deux points E et E' de la courbe pH en fonction de Vb. Quelles sont leurs significations chimiques? Petit c, déterminer la concentration CA de la solution S d'acide benzoïque. Petit d, calculer la masse de l'acide benzoïque pur utilisé pour la préparation de la solution. Et petit e, la question petit e, déterminer la valeur de Ka du couple suivant. La dernière question, quelle est l'espèce chimique qui prédomine dans les mélanges réactionnels où le pH est égal à 6? D'accord? On a dans les données, on a les masses molaires de l'oxygène, l'hydrogène, le carbone. Et on a ici la courbe, le point E et le point O'. D'accord? Allez-y. On va commencer maintenant la première question. C'est l'équation dissociation. C'est-à-dire, on a un solide de acide benzoïque pur, solide. Leur dissociation dans l'eau, dans H2O, il va donner les ions 6,6H5 CO au moins. Aque plus H plus. Aque. Et voilà, c'est ça l'équation de dissociation. Alors, malgré que la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau, dans l'eau, ça marche, d'où le bada de la question. La deuxième question, donner l'expression de la constante d'acidité, Ka. Alors, d'une manière générale, la constante d'acidité, c'est quoi? C'est la concentration de la base. Quelle est la base ici? C'est 6H5CO au moins. La concentration de la base, 6H5CO au moins, à l'équilibre bien sûr, fois la concentration de H3O plus, à l'équilibre, sur la concentration de l'acide, 6H5COOH, à l'équilibre. Voilà, c'est ça l'expression de la constante d'équilibre, constante d'acidité de notre couple. La question 3. En fait, petit a, écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, la solution, d'accord? On a la solution, on dose la solution de notre acide benzoïque, N6H5COH, avec la soude. D'accord? À la soude, il y a Na plus H au moins. Alors, Na plus, ce sont des ions spectateurs. Alors, on utilise H au moins. C'est la réaction de cet acide-là avec cette base-là. D'accord? Alors, on va écrire tout d'abord les couples. Après, on va trouver l'équation de la réaction. Alors, 6,6H5, l'acide benzoïque, COH, sa base conjuguée, 6,6H5. CO au moins. Et cet acide-là, il va réagir avec H au moins. Alors l'acide conjugué de H au moins, c'est H2O. Et voilà, on va écrire la réaction entre ça et ça. Alors 6,6H5, COOH plus H au moins. Alors n'oubliez pas qu'on va utiliser juste une seule flèche, puisque la réaction de dosage, du dosage, c'est une réaction totale. Alors on obtient la base conjugué de l'acide plus H2O. D'accord? Et voilà la réaction de dosage. Ça marche? Allez-y. Maintenant, on va indiquer les coordonnées des deux points. Alors, le point E. Avant le point O, c'est quoi? C'est le point d'équivalence. D'équivalence. Alors, on détermine les coordonnées de ce point, PHE et VBE. Alors, pour PHE, est égal à 8 et pour VBE, est égal à 10. N'oubliez pas les unités millilitres. E prime, on peut remarquer qu'on a ici deux carreaux et demi, deux carreaux et demi. Ici, c'est l'équivalence. Et dans ce point E', c'est le point de demi-équivalence. Le point de demi-équivalence. Voilà. Dans ce point, on va déterminer maintenant les coordonnées de ce point-là, PHE' et VBE'.
Alors, d'après le graphe, c'est à peu près là. Alors, ici, c'est 5. Alors, c'est à peu près 4,5. Et pour le E', c'est 5 millilitres. Voilà, on a trouvé maintenant les coordonnées des deux points. Allez-y, on va maintenant déterminer la concentration CA de l'acide benzoïque. Alors, à l'équivalence, on a CaVa égal à CB VBE. On a déjà déterminé VBE, c'est 10 millilitres. VA, on a utilisé 20 millilitres de la solution S. Et CB, elle est déjà donnée, c'est à peu près 5 millimoles par litre. Alors il faut faire attention. Alors on a ici millimoles par litre, millilitres avec millilitres. Alors CA est égal CB VBE sur V. VA. Alors déjà les volumes va être simplifié. Alors qu'est-ce qu'il va rester? Juste l'unité de CB, c'est millimoles par litre. C'est-à-dire le résultat qu'on va trouver, elle doit être en millimoles par litre. Ça marche? Alors on va faire l'application en numérique. C'est 5 millimoles fois 10 millilitres sur 20 millilitres. Alors on trouve la concentration de l'acide benzoïque, c'est à peu près 2,5. N'oubliez pas les unités, s'il vous plaît, c'est millimoles par litre. On va simplifier le millimole, le millilitre avec millilitre. Qu'est-ce qu'il va rester? Juste le millimole par litre. Ça marche? La question suivante. Calculer la masse petit m de l'acide benzoïque pur utilisé pour la préparation. Alors, on a dilué notre solution, mais on sait que la dilution n'influence pas sur la quantité de matière. La quantité de matière de l'acide est égale à CA VA. Est égal à quoi encore? Est égal à la masse sur la masse molaire. Alors la masse qu'on cherche est égale CaVa fois la masse molaire. D'accord? Maintenant, on a déjà la valeur Ca trouvée dans la question précédente. Va, elle est déjà donnée, c'est 20 millilitres. Et il faut calculer la masse molaire de l'acide benzoïque. Alors la masse molaire de l'acide benzoïque, c'est 6H5COH. Alors, combien d'atomes de carbone? 1, 2, 6, 7 atomes de carbone. Plus combien d'atomes d'hydrogène? 6, 6 atomes d'hydrogène. Et plus 2 atomes d'oxygène. Alors, 7, on a la masse molaire du carbone, c'est 12. Plus 6 fois 1, plus 2 fois 16. Alors, on trouve la masse molaire de notre acide benzoïque, c'est 122. N'oubliez pas les unités grammes par mol. Grammes par mol. Maintenant, on revient à notre expression, notre égalité précédente. On va calculer maintenant M. Petit m, c'est Ca. Alors, Ca, c'est 2,5 millimoles par litre, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3, fois 20 millilitres, c'est 20, 10 à la puissance moins 3, pour convertir le millilitre en litre, fois la masse molaire, c'est 122. Alors, on trouve la masse. Est égal à peu près, c'est 6,1, 10 à la puissance moins 3 grammes, est égal à aussi 6,1 millimilligrammes. Voilà, c'est ça la quantité, bien la masse utilisée pour préparer la solution S. La dernière question bien la question 2, pardon. Alors, Ka, vous déterminez Ka. Alors, on sait que pH E', yani le pH à la demi, au point de demi-équivalence est égal à pKa. Alors pKa d'après la courbe est égal à 4,5. Donc pKa, la relation entre pKa et pH, 10 à la puissance moins pKa est égal à Ka. Alors on va faire l'application numérique. 10 à la puissance moins 4,5. Alors, on va faire l'application numérique. On trouve Ka est égal à 3,16. 10 à la puissance moins 5. C'est ça la constante d'acidité du couple utilisé de l'acide benzoïque. D'accord? C'est clair? Allez-y. Nous passons maintenant à la dernière question. Alors, quelle est l'espèce qui prédomine dans le mélange réactionnel lorsque le pH est égal à 6? Alors, pour faire ça, on va tracer tout d'abord le diagramme de prédominance, c'est-à-dire l'échelle de pH. Alors, on va positionner la valeur de pKa. On sait que le pH varie entre 0
Et 14, en milieu, on a bien sûr 7. Alors la valeur de pKa, c'est 4,5. Alors pour 4,5, à peu près ici, 4,5. Alors pour les valeurs inférieures à 4,5, on a prédominance de l'acide, C6H5COH, l'acide benzoïque. Et pour les valeurs de pH supérieures à 4,5, on a prédominance de l'élément, bien l'espèce C6H5CO au moins, c'est-à-dire la base conjuguée de l'acide benzoïque. Ça marche? Alors pour la valeur pH est égal à 6, alors 6 il est là, pour le pH est égal à 6, on peut remarquer que cette valeur de pH appartient au domaine de prédominance de cet élément-là. Alors, d'après le diagramme de prédominance, l'espèce sans S, l'espèce qui prédomine, c'est la base C6H5COO au moins. D'accord? Quand je vois le pH est égal à 6, qui est un domaine de stabilité ou bien de prédominance de la base, alors on peut dire que l'espèce qui prédomine dans cette valeur de pH, c'est la base. D'accord? Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et aussi d'abonner. Au revoir et bon courage.